OPT, le monde à portée de main. 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 Thank you.
duel de leader pour cette troisième journée de Super League, un duel entre Tigasport et le SC Nejiu au stade de Noumadele, vous le voyez. On n'attend plus que la lumière pour mettre en évidence les 22 acteurs, ceux de Tigasport et du SC Nejiu qui vont donc se disputer l'affiche de cette journée. Deux équipes, John, qui se veulent ambitieuses, deux équipes qui comptent deux victoires en deux matchs. Oui, deux équipes qui vont vouloir creuser cet écart qui est entre le premier et le deuxième. Et c'est des équipes qui ont envie de montrer que l'année dernière, ce n'était pas une erreur qu'ils soient en haut du classement et en haut du tableau. Et puis, donc, il y a aussi ce petit derby qui va venir un peu pimenter cette rencontre entre Tigasport et Nejiu. Ah oui, c'est clair, c'est le derby du sud, enfin, du royaume du sud de Djerou, de Lifou. Et ils vont vouloir justement montrer qu'eux aussi, ils représentent au mieux le district et qu'ils sont là pour montrer les valeurs et les qualités que les joueurs de ce district peuvent avoir. En attendant, il y a eu bien sûr d'autres rencontres en ce samedi 30 avril et cette troisième journée de Super League. Vous l'avez vu juste avant, l'AS Magenta qui s'est imposé 2-0 face à l'Horizon Passo. L'AS Wetch qui a été dominé 2-1 par l'AS Kouni. L'AS Kouni qui enregistre son premier succès de la saison. Et puis également une belle victoire du Dumber AFC du côté de Kone face à la JS Bako. Yengen qui était mené 1-0 à la mi-temps face à Rouen-Ono. On attend forcément la suite au niveau de cette rencontre. Et puis du côté de Boeva également, l'AS Mont-Nord qui menait 2-1 face à l'AS Lossi. En attendant, on va se plonger dans cette rencontre entre Tiga et Nejiu avec la composition des deux formations. Et tout d'abord celle de Tigasport avec, bien sûr, c'est attendu. Eh bien, on a envie de voir quelle est la manière dont va fonctionner le nouveau coach de Tiga, Leonardo Lopez, avec donc un 3-4-3 jaune assez offensif qui va être mis en place par Léo Lopez. Ouais, après, voilà, ce duel de leader. Avec donc, vous le voyez, Dounézek dans les buts, une des recrues intéressantes pour Tigasport. Jean-Yann Dounézek, ancien gardien de Yengensport. Une défense à 3, Sake Forest, Joël Wakanomune, Petro Wadjonou. Ce milieu à 4, cette ligne de 4 avec Bob Matelon, Luther Wakanomune et Wadra à droite. Et puis devant, ce trio où elle épanne le capitaine, nouveau capitaine sous l'ère Leonardo Lopez, pardon, je vais y arriver, Louis Waya et David Berouni. Tigasport qui, quand on regarde les stats, c'est la meilleure défense, clean sheet depuis 180 minutes, 2 matchs, donc pas de but. Et puis 7 buts marqués, donc avec le meilleur buteur de Louis Waya des deux journées. Donc on attend de voir justement une belle prestation de cette équipe de Tiga, mais attention, Nejiu a quand même à son actif deux victoires également. Deux victoires intéressantes face à Yengen. Et puis on verra comment ces deux équipes vont nous montrer. La composition de Nejiu, celle de Cédric Wedjiem, le coach d'Atanaï, avec dans les buts Yoran Waima, la défense à 4, Sio. Dylan et Sio Alexandre sur le flanc gauche. Et Milace, Hendrik Ukadjo sur le flanc droit de cette défense à 4. Nestor Ralic en sentinelle. Un peu plus haut devant lui, Meiron Ralic et le capitaine Manoua Moé. Et puis devant, le jeune Claude Forest. Nathanael Maen, lui aussi, qui réalise des débuts en fanfare sur cette saison 2022 avec 3 buts à son actif. Et puis Jordan Wechia, qui en est à 2 buts. Il a inscrit un doublé le week-end dernier. Jordan Wechia, une attaque aussi de feu côté Atanaï. Ah oui, ça va être un match intéressant. Donc notamment l'année dernière, Nejiu avait une très belle défense. Aujourd'hui, ça se confirme. Donc on va voir un très beau match entre ces deux équipes qui, défensivement et offensivement, ont des armes et des propositions à faire aujourd'hui pour ce match. Les deux formations qui rentrent sur la pelouse du stade Noumadele avec ce trio arbitral. Et à signaler, il y a eu sur ces deux matchs télévisés un quatrième arbitre, M. Reboul, qui a arbitré le match précédent, qui donc est quatrième arbitre sur cette rencontre. On est en direct sur la chaîne Pacific Plus et la FCF TV Web. On vous propose, je le disais, cette affiche de la troisième journée de Super League. Ce duel de leader entre deux bonnes équipes, je le disais, ambitieuses, et puis qui peuvent proposer du beau football, John.
Oui, on le verra aujourd'hui, mais c'est clair que quand on regarde le profil de ces deux équipes et puis les statistiques depuis les deux premières journées, ou la continuité de ce qui s'est passé l'année dernière, c'est clair qu'on va assister à un bon match, un beau match, et j'espère qu'ils vont bien jouer avant tout de nous offrir du beau jeu. On a vu de beaux gestes et du spectacle sur le match Magenta-Passo, avec des beaux arrêts également de gardiens. On espère en voir tout autant sur cette rencontre. Le trio arbitral de cette rencontre, assez connu, monsieur Médéric Lacour au centre, et Bertrand Brial, tous deux arbitres FIFA, et puis Alan Chesneau, arbitre assistant, les deux capitaines, Chesneau Lepan et Mon Wamoé, le très expérimenté Mon Wamoé. Alan Chesneau, qui est un ancien joueur, notamment de l'AS Mondor, est converti en arbitre après des blessures, et c'est aussi une façon de dire, d'attirer aussi les anciens joueurs vers l'arbitrage. Voilà, donc ce quatuor. Ça, on a la même passion. Hein. Exactement. Comme dit la pub. Ouais. En tout cas, Nedjehu ne vient pas ici à Nouméa pour, pour rien. Ils espèrent forcément les joueurs de Cédric Wedjem, que l'on voit saluer le nouveau coach, Leonardo Léo Lopez. Ils espèrent forcément ramener la victoire en terre Djéhou. Le voilà, le nouveau visage que l'on va apprendre à connaître. Leonardo Lopez, qui d'entrée part sur un 3-4-3, John. Oui, c'est par rapport aux autres années, ils étaient plutôt en 4-1-4-1. Aujourd'hui, ils prennent une nouvelle formule, donc l'équipe de Tigre en 3-4-3. Donc assez offensif. Après, vu les deux matchs qu'ils ont fait où ils n'ont pas pris de but, on va attendre avec une plus grosse écurie comment cette équipe de Tigasport va se comporter. Là, l'Ouest au centre, le meilleur buteur de ce championnat pour l'instant. Joël Wakanumune, l'ancien. Ouais, un cadre forcément de cette équipe, Joël Wakanumune, international calédonien. Alors que le Mondor s'est imposé 3-1 face à l'AS Lossy. Ah oui. Bon score pour. Ça fait quand même pour, pas mal de buts quand même. Gaïké. 7 buts pour l'AS Lossy en 2 matchs. Attention. Ça va partir. Et voilà, c'est parti avec ce coup d'envoi donné par Monsieur Lacour. Voilà, qui de Tigasport ou Nedjehu sera leader à l'issue de cette troisième journée. Alors qu'attention, il y a aussi Juan Ono qui est en embuscade. Juan Ono qui menait 1-0 à la mi-temps face à Yengensport. On attend forcément la suite au niveau de ce résultat du côté de Koné. Ah, parce qu'il peut y avoir un match nul aussi dans ce match. Exactement. Donc, il pourrait y avoir trois leaders ce soir. Ah, je crois qu'il aurait fait tous les postes aussi. Bob Naussé. Il était latéral droit, milieu, attaquant. Ailier. Wessoya avec ses premiers ballons, du meilleur buteur de Super League. Le nouveau capitaine Wellepan, oui, s'est écroulé dans la surface de réparation. C'est un peu la panique et ouais. On s'en sort côté Atanaï. Je crois qu'il y a une petite faute quand même. Deux équipes qui voudront donc garder leur leadership de ce championnat 2022. Wessoya, en tout cas, il est parti fort dans cette partie. Malheureusement, il rate son centre. On voit une équipe de Tiga assez haute hein, sur ses premières secondes de jeu. Ouais, là, ça montre qu'ils ont envie de gagner. C'est comme si ils jouaient à la maison, là, à Nouméa. Donc voilà, on voit pressing de Tado. Mais attention, parce qu'ils jouent à 3. Ah, ça va être sur un compte, ça peut aller vite, surtout avec Jordan à droite. Rôle de piston ouais. Avec David Ouadra à côté droit et Bob Nawos, Jean-Pierre Bob à côté gauche. Ils vont forcément avoir des rôles cruciaux aujourd'hui. C'est ça, exactement. Pour pas laisser les trois défenseurs face à voilà,
Nathaniel Mahen qu'on voit à l'écran, meilleur buteur de cette équipe, et Jordan Mouchia. Regarde Matelon, positionné plus bas aux côtés de Joël Wakanou. À son poste, aller contrer certainement Manu Amoué et dans l'entrejeu Meiron Ralic. C'est ça, c'est là où il est le mieux, enfin, je pense. Hein, moi, Morgan, c'est au milieu. Après, on va voir comment il se comporte sur ce match, mais c'est clair que c'est un poste où il va pouvoir exprimer au mieux toutes ses qualités. Et justement, Matelon avec Wakanamune. On va essayer de trouver par-dessus la défense l'Ouessoya tranquillement. Alexandre Ossio qui laisse filer dans son gardien. Johan Waïma. Milache qui allonge. Jorian Dounézek tranquillement. Ancien gardien international, Jorian. Il a été un des meilleurs gardiens de cette dernière génération. Ouais. Vainqueur des Jeux du Pacifique, il était titulaire en 2011 dans les cages Kagou. Il est toujours là. Ouais, il avait arrêté fut un temps avec ses raisons personnelles et professionnelles aussi. Il revient tout doucement. Et puis ce challenge à Tigaspor qui l'a motivé. Je crois qu'il s'est déplacé au moment où. Oui, c'est Wawes qui a pris le Pierre Wajoka quand il a pris l'équipe. Attention. Le premier coup franc lointain avec au ballon David. David Berrounet. Il est capable de la tenter. Deux bons techniciens. Chen Ouellepal, droitier, et David Berrounet, gaucher. Tado Ouellepan à l'image, promu capitaine sous l'air. Léo Lopez. Du moins pour l'instant, sur cette entame de championnat, il y a hors-jeu. Pour Jean-Pierre Bob, signalé par monsieur l'arbitre assistant. On voit pour ce début de rencontre un bloc assez haut. Côté Tiga, on le voit là, sur ce plan large, une défense, une ligne défensive à 3, pratiquement au milieu de terrain sur les phases de construction d'Atanaï. Intervention de Jean-Yann Dounézé qui relance tranquillement avec Joël Wakanomune. Wadjonou, Wadra. Ça joue pas mal. Ouh, ce bon ballon, il n'y a pas de hors-jeu avec côté droit, David Berrounet. Il rentre dans cette surface de réparation, la frappe. Oh le poteau. Oh le poteau. Cette frappe. C'est vrai. Hyper tendu de David Berrounet. La première mèche est allumée dans cette rencontre et cette affiche. Très belle phase, très belle construction. Là on le voit, décalage sur le côté droit. Il revient vers l'intérieur à la Messi et puis il cherche. S'écrase sur le poteau de Yoran Zalma. Et attention. C'est pas fini, ils sont en bas. Ouais, ils sont en difficulté, là. Ouais, ils sont bousculés là. Tanaï avec Manu Amoué. Très bon début de match de Tigaspor qui va de l'avant. Qui, techniquement c'est propre. Ça joue bien. Et attention à ne pas trop rentrer dans la facilité. Mais... 5 bonnes premières minutes de Tiga. Ah ouais, pour l'instant, Tiga, ils sont venus avec des ambitions. Là. On le voit, ils vont presser haut, ils vont chercher haut. Dès qu'ils ont les moyens d'attaquer, ils essayent de jouer le plus juste possible, le plus simple. Et ça a donné des occasions dangereuses. Ça a pu finir en but, il y a eu le poteau, mais voilà. Très bon début. Très bon démarrage de l'équipe de Tiga. Attention. C'est un ami qui va essayer de réagir. Avec une percussion sur le côté de Nathanael Mahen. Et dégagement de Dounézek. Bien fait ça, Emil Hatché. Il faut poser le jeu. Qui est fait avec Kralic. Contré, Manu Amoué au duel. C'est remporté. Et une faute sur Mon. Manes Wamoué. Ancien joueur de l'AS Lossy. Et des beaux duels hein, dans cet autre jeu. Attends, le voir, on va lutter. Pour l'instant,
Pour l'instant, ça a démarré fort, ça, ouais. Ouais, ça démarre fort. Ça démarre fort. Il y a de l'engagement. Il y a du jeu. Il y a du mouvement, donc c'est intéressant. Dès le départ. Oh, oui. À la touche. Duel de capitaine. Louche, intervention. Nestor Ralic. La sentinelle de cette équipe. Ah, ces deux formations qui l'an passé avaient fini respectivement deuxième et troisième. Nedjiou second, dauphin de Yengen Sport. Et troisième Tiga. Tiga, on le rappelle, champion 2020. Qui n'avait pas pu participer à sa première avec l'Horizon Pato qu'on a vu juste avant là, le deuxième. Exactement. Sans dauphin. Deux équipes qui n'avaient pas pu donc participer à la Ligue des Champions océaniennes du fait du Covid malheureusement. L'objectif est clair côté Tiga, c'est essayer d'aller chercher un titre. Ah bah ils mettent les moyens, ils vont chercher un entraîneur en France et on voit sur le terrain les très hauts, ils vont chercher. Donc ils sont venus avec de grosses ambitions maintenant. Il faut concrétiser tout ça. On a entendu le coach Lopez là dire à son joueur de repartir court à Wadjounou. Il donne de la voix sur le bord de touche, on le voit Lopez. Ça permet de passer un petit coucou à Thierry Sardo, coach de Cognac, et ils se sont croisés. National 3, parce que on va suivre quand même cette action. Avec cette frappe écrasée. Et on se dégage côté Nedjiou. Léo Lopez donc qui coachait du côté du stade Bordelais, dans le même groupe que Thierry Sardo, donc ils se connaissent. C'est un peu Thierry qui a été le relais là pour finaliser donc cette venue. On salue Thierry Sardo, ancien sélectionneur de la Calédonie. On lui fait de bon courage pour le maintien en National 3 avec Cognac, César Zéoula et le jeune Jonas Kenon qui sont également du côté de Cognac. On les encourage, les Calédoniens. Ils sont 3 ou 4 avec Cognac, je ne sais plus. Également Gopfenepej. Attention, il va vite là où c'est. Il va très très vite, Nawos. Bob, le centre avec Louis Roya qui est coupé au premier poteau. Ça va vite, hein, sur le côté gauche. Jean-Pierre Bob. Qui avait commencé en senior du côté du Mont d'Or. Ouais. Passé par Majata également. La Finatiga. Le plan fonctionne côté Tiga, justement pour contrer les deux relayeurs, Manu Amoué et Meiron Ralic. Pour l'instant, c'est pas mal. On voit qu'ils sont pris sous les taux un peu, les joueurs d'Atanei de Tiga Sport. Les pannes, ce petit ballon piqué superbe avec David Ouadra. Centre en première attention, il n'y avait personne heureusement. Ouais, c'est bien joué. Hein, ça joue pas mal, hein, vraiment. C'est clair que Tiga, là, pour l'instant, c'est. Au-dessus. On va terminer. Encore un ballon par-dessus la défense avec ce duel et Dylan Sio qui revient bien sur Ouadra. On voit ce beau duel entre Sio justement et David Ouadra. Ce tacle parfait. La tête de Louis Roya, faut se parler. Et corner, voilà, il s'est battu, Louis Roya. Ça, il y a des propositions de partout, il y a des solutions, ça court, ça bouge. Et ça joue simple. Ça joue simple. Préfira, c'est ça. John. Ça joue très simple.
Une belle formation de Tiga là qui, là, on l'a vu juste avant la séquence où Jean-Pierre Bob en une touche a trouvé plusieurs de ses partenaires. Des relais avec lui. Rappel à l'ordre de Monsieur Lacour. Et corner, ça va être rentrant avec Berrounet. Tiré la tête, sauvetage sur la ligne. Bien joué, Louis, sa tête. Sauvetage de Kadjo. Ça pousse côté Tiga. Voilà. Je crois que c'était Louis Soya qui était pas. C'est Louis qui. Et là, on le voit. Hop. Superbe la tête, superbe détente. Et quel sauvetage aussi. Henrik ou Kadjo, on ne dira jamais assez. Mettre des joueurs au poteau, quand même, ça aide pour les gardiens. Qu'est-ce qui se passe ? Et la relance. Le portier d'Atanaï. Super balance. Frappe enchaînée. Ouais, bel enchaînement. Le public du stade de Madélé commence à faire frais, la nuit qui est tombée. Alors que ça bouge à Koné avec Kien Gen qui a réussi à renverser la tendance. 2-1 pour l'instant pour les nordistes. Ouais. C'est aussi un beau match du côté de Yoshida. Face à Ruanono. Cédric Wedjem. À l'image, le jeune entraîneur de Nejiu depuis. Qui entame sa troisième saison. Sa troisième saison, ouais. Le magazine de l'expérience. Le coach Wedjem. Mamoué. Ils sont très agressifs sur le porteur du ballon, Tiga. C'est intéressant vraiment sur le pressing, contre-pressing mis en place pour l'instant. Pour l'instant, oui, c'est en place. Ils utilisent leurs meilleurs atouts pour affronter cette équipe de Nejiru. Maintenant, il va falloir avoir de la réussite. Réalisme. Et attention parce qu'en face ça va très très vite aussi. Mais pour l'instant il n'y a pas eu de. On les a pas encore trouvé de danger, ouais, non. Jordan Wachia. Là il devait ranger, ça fait un quart d'heure de jeu et c'est Tiga qui monopolise le ballon. Et on a passé effectivement le premier quart d'heure dans cette rencontre. Attention. Puis arrêter, ils sont grands les joueurs de. Et puis il y a aussi Miron Ralic et son pied gauche. Il est précis. Et c'est bien tiré. Impeccable pour Lubezek. Ouais, c'est un problème pour. Jean-Yann, c'est pas Jean-Yann qu'on va le jouer. Et la relance. C'est des frappes au but, ces relances. Très longue. Et regardez, il va mettre en difficulté son vis-à-vis. Et superbe retour de Henrik Oukadjo. Ah, et puis ils sont proches, c'est bien. Défensivement, ils sont présents. Ah, là, qui vient contrôler Morgan et soutien de Jean-Pierre. Bien fait. Ouh, attention à gauche. Et finalement, c'est à droite que prend l'option de Nathanael Mahen. Il va rentrer Nathanael Mahen dans cette surface de réparation. Ah, il a un peu tergiversé. S'en veut. Nathanael. Après, il a tergiversé, mais quand même, c'est Tiga Sport qui le met en difficulté. Là, sur. Donc, c'est clair qu'ils ont un super comportement, les joueurs. Ils se repassent vite, ils essayent de. Voilà. Voilà, s'il a mes pieds droits, c'est bon.
dans l'espace à l'opposé. Et c'est là maintenant, c'est trop tard. On voit Ouadra le retour. Ils sont tous revenus, donc ça a permis de fermer, supprimer quelques possibilités pour Nathanaël. Mais dès le départ, s'il avait. En plus, il s'est joué avec son pied droit. Et voilà. La touche, donc remise en jeu avec ce ballon récupéré par Atanaï, une faute signalée. Et toujours 0-0, on est en direct sur les antennes de Pacific Plus et la FCF TV Web et on a vu cette frappe, cette énorme occasion de David Berrounet, cette frappe sur le poteau. Depuis, plus d'occasion franche. Mais Et c'est l'action qui est vachement intéressante après derrière la frappe de David. Ouais. C'est clair que. Bataille tactique qui commence à se rééquilibrer un peu au milieu de terrain. Voilà, il commence à gagner des duels à Tanaï. Attention. C'est engagé, en tout cas. Par contre, là, il y a une faute. Il essaie de traîner la patte. Maric. Avertissement. C'était engagé. Hein. Ouais. Jaune logique, ça va. Non, pas de casse. Miron Ralic qui est averti. Et la longue, longue relance. Le Roya. Ah, il y a des duels. Hein. Ouais, il y a une petite faute. Saké. Saké, Forest. Ouais, c'était. Là, faut lui mettre quand même. Là. Engagé, ils arrivaient lancés en plus. Ouais. Ah, il n'y a pas mis de pilule. D'ailleurs, on reste de Nedjirou. Nedjirou, il joue à Nedjirou. Des jeunes joueurs qui arrivent dans ces effectifs de Super League, c'est intéressant. On va jouer à l'opposé. Oh, c'est beau ce centre et encore Dounezek dans les airs qui s'impose en deux temps. Ah. On relance encore la tête du Kadjo. Qu'est-ce qui se passe? Hors jeu. Et voilà. Coach Lopez de go. Avec que des entames réussies dans le football calédonien, de victoire, on le disait. Petit Gasport sur ses deux premières rencontres. Et attention, ce centre superbe avec la volée qui arrive. La frappe en tout cas de Ralic. Ouais, puis c'est à la tombée. Ouais. Ouais. Bon, après, c'est vrai que les deux matchs c'était contre Bako et. Oui, voilà. Et Dembéa. Il y a une grosse affiche aujourd'hui. Bon. Donc, premier. Il n'a pas pris de but. Tiga n'a pas pris de but et Tiga a marqué beaucoup de buts derrière. Donc Golavirage a une différence de but de 7. Donc, c'est plus 7. Intéressant. 7 buts marqués, 0 buts encaissés. 5 buts pour Nedjeo et 2 buts ça. Encaissés. Différence de plus 3 pour l'instant. Golavirage, le leader était Tiga. Donc en attendant cette suite de la troisième journée, l'enchaînement était ça. Bien tenté. Ouais. Bien joué là le
pressing engagé par Nedjehu. On revoit David Baronnet qui avait tenté contrôle frappe. Allez, phase de construction, attaque placée pour Sake Forest et Tiga Sport. Ouais, sorti. Faute technique, dommage. On perd de la possession. Ah, l'arbitre qui replace le ballon. Et on joue depuis 23 minutes, toujours pas de but. A baissé en intensité après un gros 10 grosses premières minutes. Ouais, 10 grosses premières minutes, c'est clair. Et puis là, bah. Ça s'est équilibré. Ouais, c'est bien, c'est bien. Voilà. Tactique. C'est en train de. Tout à l'heure, on voyait Tiga Sport dans la partie adverse. Maintenant, on est à cette zone médiane du terrain. On voit ces deux équipes. La bataille des milieux. Et on voit hein, quand même des. Cette ligne d'attaque qui va très vite presser le porteur du ballon. Et ils sont bien positionnés. Bien joué. Et ça, c'est bien fait, ça, avec un bon retour de Petro Rodjonou. Et on relance avec Sake Forest à nouveau. Il faut venir chercher, là, il n'a pas trop de solutions. Et oui. Et finalement, ça passe avec Wellepan. Wellepan qui va aller fixer. Wellepan temporise. Ballon en retrait, Matelon, dégage comme on peut côté Atanaï. C'est contré, ça va peut-être donner un corner. Non. Bien fait ça. Le ballon qui reste dans l'air de jeu. Une faute. On voit. Oui, donc intéressant, les deux équipes qui sont en place. On les voit sur le terrain. Ils occupent bien leur zone. Ils coulissent bien, ils se déplacent bien, là on les voit. Sio, Alexandre Sio. Il essaie de passer par-dessus la défense. C'est directement pour donner à l'adversaire. Ouais. Déviation de la tête avec Waya qui va très vite. Louis Waya, la sortie de Waïma, bien fait. À lui tout seul là. Pèse sur cette défense, Louis. Ouais, il peut faire mal. C'est malheureux qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps de jeu quand même. Pour les qualifs de la Coupe du Monde, c'est passé, mais on voit la qualité qu'il peut avoir ce joueur, jeu de tête. Balle au pied, ses déplacements. L'efficacité. L'efficacité, on ne peut qu'essayer, tenter de voir ce qu'il aurait pu tenter pour voir ce qui vaut sur le terrain. Voilà. Il sera encore lointain. Sans conviction. Sans conviction. Frapper pour frapper. Il s'en met à dos. Ah bah, il peut lever les yeux vers le ciel. C'est donner de la conviction, se concentrer, être plus appliqué. On a baissé de rythme depuis 10 minutes. Ouais, c'est tombé un petit peu, mais après, voilà, c'est des phases de jeu qui. Temps fort, temps faible. Voilà, football, c'est ça. C'est ça. Attention, faut pas que Nedjehu ait son temps fort. Bah, je sais pas, mais ils n'ont pas eu encore leur temps fort. En tout cas, Tiga, belle formation.
pour l'instant, des défenses bien en place. Petit gars qui a essayé de repartir en maximum court. La construction, mais ouais, Tanaï qui a trouvé un peu de la stabilité là. Ouais, sur cette deuxième partie de la première mi-temps là. Avec Claude Forest qu'on n'a pas beaucoup vu, ça c'est bien fait avec un soutien et on joue sur la sur Jordan. Et il l'a sauvé, il l'a sauvé. Attention, ça se bat entre les deux internationaux. Calédonia et Atanaï qui peut récupérer ce ballon. Ça va vite hein, quand même. Ouais. On a vu avec c'était Jordan, Michia. C'est ça, Jordan sur Joël. Et il lâche jamais rien, hein, Jordan. Ouais. Voilà. Comme ça, il va falloir faire très attention, Joël. Parce que c'est clair que Jordan, il lâche rien et puis il va vite. C'était une petite alerte hein, sur le but de, ouais, de Mézec et ce corner à venir avec ce pied gauche. Moralic. La tête. Ah, bien joué, c'est ce Nestor. Ouais, c'est... Ah, c'est un peu trop. A lancé le jambe le truc. Ah. Ah, des arbitres qui nous manquaient. Au bout de la troisième, vous pouvez gagner si vous arrivez à repérer et mettre les. Ça, c'est les temps forts, ça. C'est les... Ah. Coach. Coach Leonardo Lopez. Voilà, bienvenue à lui en tout cas. Ouais, bienvenue dans le championnat. Il a été très bien accueilli dans le club de Tiga Sport. On connaît l'accueil calédonien. Attention, ouais, faute. Et un coup franc excentré. N'arrive pas à trouver les milieux de Nedjerou pour l'instant Tiga Sport. Et on revoit cette tête là de Nestor Khalid. Allez, à nouveau un pied arrêté, excentré sous coup franc, Manoua Moué. Beaucoup d'arrêts de jeu hein, aussi dans cette rencontre. Ce ballon qui traîne. Tout le monde est parti au même endroit. David qui se retrouve seul, bien vu ça. Oh là 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 là, il y a une grosse faute, je sais pas si il a dû se faire mal là, David. Et avertissement logique pour Villaccio. Faute sur David Audra, on le voit. J'espère que ça va aller. Ah oui, on n'aime pas trop la situation, on espère que ça va aller. Il avait quelques petits soucis aussi avec son genou, sa cheville. Appelle les soignants. Ouais, il avait été opéré il y a 3 ans, je crois. 3 ou 4 ans. Et il y a du monde au stade, regardez. C'est beau plan. La tribune de Nouma Dele. Monsieur Gervolino. René Gervolino. Voilà. Ça, c'est le petit neveu. C'est vrai ? Oui. Ouais, voilà, bonjour au petit neveu. Voilà. Merci au caméraman. Merci, caméraman. Tu pourras lui faire un bisou, je crois que c'est Tèche, Olivier. Voilà. Attention, ce long ballon dans la surface. Ouais, avec Matelon. Allez, on se dégage. Et ça revient, ça repart. Et ça revient. Et ça repart. On a perdu un peu le fil du jeu là. Ouais, bah c'est pour ça que je crois que le refrain de Claude François là. Ouais. C'est ça s'en va, ça revient et ça s'en va, c'est pas ça repart. Hop là. Attention. Ouais, faut essayer de reposer un peu le ballon. Ouais, parce que là on assiste, là c'est. On a vu 10 très bonnes premières minutes.
Ouais, et puis là, on passe au tennis ballon. Ça va revenir, espérons-le, avec... voilà, bien fait voilà, ça. Donc, c'est parfait. Avec Wellepane. Tado Wellepane. Qui simplifie son jeu. Côté, le centre. Allez, il faut couper ses... voilà. Cette trajectoire de balle. C'est bien fait, en tout cas. Enfin, c'était bien vu, là, ce qu'il avait coupé. Fait, Tado. Et il est présent, Joël Wakanumene. Le duel. Face à Nathanaël, un Jordan. Ah, c'est quoi un bel engagement. Hein, ah non, non, non. Il y a touche pour. Ah ouais, bah on touchait. Il faut qu'il joue simple. Mon. Ah, je crois que depuis un certain temps, il aime garder ce ballon touché. Il pense plus que prendre le ballon, c'est pour la redonner aussitôt. Et il a un rôle important. Sans registre, ouais, il va falloir... S'il veut remettre aussi les ballons dans les bonnes conditions, ouais. Bonnes pour qu'ils puissent réguler ce jeu. Ouais, c'est... Mais là, vu sur la bataille des milieux, c'est plutôt Tiga qui le remporte ce combat, ce duel. Allez, Forest, le jeune Forest côté gauche, il va essayer d'aller fixer. Hein, de... ah bah il a été tout droit. Ouais, un soutien, bah, oui, c'est un peu ça. Empalé sur la défense de Tiga, Claude Forest. Ça, c'est comme ça, là, quand on ne sait pas trop ce qu'on doit faire avec le ballon, et bah, il faut prendre le temps de repartir. Faut pas hésiter, voilà, comme il vient de faire. Pour l'instant, intéressant, le positionnement de Matelon et Luther Wakanumene. Tiga, ils disais, sont bien au milieu. À tenir. À contenir cette équipe de les milieux de Nejiru, ils ont du mal. Hein. Et puis ce rôle de piston, là, on voit Ouadra. Côté droit. Pour l'instant, c'est bien géré, mais pour l'instant, et on le voit, Jordan Wotria. Chia, il va très très vite. Et il obtient la touche. Ah, mais il le connaît, Saké. Il aurait dû. Aussi. Jordan, il était au Qatar, il avait même marqué un but face au Fidji, John. Oui, le premier match, il y était. Premier match de la tête. Alessio avec son gardien Waima. Intervention de Saké Forest. Ah, c'est des ballons qui sont difficiles à exploiter, des ballons qui rebondissent, des ballons. Il faut que ce soit des ballons propres. Sinon ça peut pas aller vite. Trouve là-bas Forest. Belle passe pour okay. Portier. Et le duel gagné par Roger. Oh oh oh. Soit, c'est quoi cette passe là? Cette relance. Ah, c'est une relance. Il faut poser le jeu. Voilà, bien fait. Casser les lignes là. Voilà, ces ballons là au sol. C'est des ballons comme ça. Facile à exploiter. On peut jouer rapidement. Il y a des ballons qui rebondissent. Et... attention. Oh, je suis pas sûr. Et bien joué quand même. C'était limite. Il était bien placé, monsieur Brial. Ah bah, très très bien placé. On lui fait confiance. Ouais, carrément. On a son habitude. Et il reste 10 minutes. On espère que ça va un peu déclencher. Se déclencher dans ce scénario de match qui est un peu tombé. Attention, David, et David. Voilà, peut-être pourquoi pas la David Berounet, le petit crochet, Berounet, la frappe, la parade de Wagner. Bien joué. Ouais, pour l'instant, David Berounet, il fait les différences. Hein. Ouais. Avec Louis Foya également. C'est un très très bon joueur. Hein. Frère Berounet, là, un excellent joueur. Famille de footballeurs, les Berounet. Ah oui, oui.
On a vu le frère avec son pied gauche tout à l'heure, et là, le grand frère. Avec Olepana qui tentait le lob de loin. Il a peut-être mieux à faire, attention, parce que... Faut pas qu'il baisse de régime, Shen, faut qu'il continue, garder son sérieux. Récupération haute là avec Waya qui fixe ce petit ballon décalé vers Wadra, on lui remet, dommage. Ça balance. Et ça revient. Et ça va pas sortir avec le très rapide Jean-Pierre Bob. Et le duel remporté par Henrik Kajou qui fait un bon match. Ouais. On revoit cette perte de balle sur ce contre-pressing. Ah, super. Pas du hors-jeu avec Waya qui tente de jouer. Ah, il a mis le temps peut-être de la contrôler. Ouais. Ah, mais après, faut lui parler. Faut lui parler, puis il a essayé quand même, il a tenté. En l'espace de 2 minutes, Nijéou s'est effrité défensivement, alors qu'il s'est en place depuis le début. Et attention, il faut se remettre dedans là, parce que. 2 alertes. Voilà. Bien joué. Ouais, quand même, chouette. Faute. Nathanaël Maël. Beaucoup de coups de pied arrêtés, les consignes de Cédric Poggien. Dans cette première période, pour l'instant, ça n'a rien donné. Ron. J'ai bien tiré ça. La tête. Attention avec cette frappe. Oh, à bon incroyable, portant. C'est à côté. On l'a vu pratiquement dedans parce que les filets ont tremblé. C'est clair. Cette frappe de Nathanaël Maël. Là, par contre, j'ai pas compris le. La tête. Ah, c'est le. C'est Saké qui. Saké, et puis la volée. Oh, elle était haute, elle était haute, elle était haute. Difficile à reprendre. Attention. Ouais, soyez attention, il va faire peut-être la différence. Quel retour de Sio et d'Atché, sperme. C'est clair que l'OS identifie la hauteur. Il pèse et puis il pèse sur cette ligne défensive. Enfin, Lopez en attaque, pardon. Il avait dit à l'OS de jouer plus haut cette saison, de ne pas redescendre, chercher le ballon. Ça a été le enfin le défaut, non, mais. Le. Comment je vais dire ça, c'est. Il avait. Tout le temps cette envie de revenir chercher les ballons très bas, alors que ça c'est un attaquant, et avec ses qualités, lui tout seul devant, il pouvait faire la différence. Instant 3-2 hein, du côté de Koné pour Yengen Sport. Décidément un match aussi de fou là-haut. Face à Rouen, de l'IFU, la deuxième équipe de l'IFU en déplacement ce week-end, donc. Forest, Wadra, bien fait ça, superbe. Et l'enchaînement derrière du 3 contre 3 avec Wadra qui repropose encore. Il est intéressant, David, sur son côté, là. Et le bon retour. Et c'est pas sorti, ici. Là, une touche. Il n'est pas de là-bas. On arrive bientôt au terme de cette première mi-temps et on va dire un petit avantage à Tiga quand même. Le score, ça fait 0-0 pour l'instant. Bon, pas de but. On va pas la perdre, pressing de Maen. Voilà, encore un long dégagement de Dinezek, très haut, très loin. Genou
Alsacien. Avec Uchiha, contre-temps malheureusement, dommage. Et on relance court côté Tiga, il reste 3 minutes, un peu moins dans le temps réglementaire. Dounezek temporise. On a l'impression que tout se jouera en seconde période. Ouais, là, je pense que les joueurs, ils ont compris qu'on était presque arrivés à la fin de la mi-temps. Et c'est clair que ça va se découvrir en deuxième mi-temps. Après, si ça reste à 0-0, c'est une belle opération quand même pour les deux équipes. Aucune d'elles n'aura perdu de points. Ah si, elles ont perdu deux points, mais on ne perd pas le match. Exactement. Touche pour Okadjo. Et encore une touche. Allez, on va faire une touche à la Kouigné. Ah, une touche peut-être. Touche corner. Là. Encore une touche. On s'approche petit à petit du point de corner. Okadjo. Ouais. Face au rugby. Ouais, voilà, il va la faire longue. On va y arriver, John. Voilà. Ta touche à la Kouigné. Oh oui, sinon, c'est pas encore. Ouais. Les retouches. Cinquième touche d'affilée. Ah, ça serait touche, corner. Mais j'espère pas but. Parce que sinon, ça aurait. Il va falloir mettre dans la boîte. Man. Touche. Touche time. Voilà. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel dans 30 secondes. Et voilà. Corner. Ah si, corner. Et on va voir. Oui, touche. J'ai dit j'espère pas but. Parce que c'est souvent dans les dernières secondes comme ça où il y a un petit relâchement et. Inattention et pilule et ça fait mal. Donc faut rester concentré. Juste dans le temps additionnel. Alors Max, ça serait le bon moment hein, pour Atanaï d'aller vers la marque. Avec ce corner rentrant, second poteau, impeccable. Ah parfait. Dounezek. Et la relance. Voilà. À la main. Quelle relance encore, il n'y a pas de hors-jeu, attention. Super. Avec Matelan. Et si, c'est projeté la ligne arrière. Voilà. On peut voir un touchdown avec ce lancer du quarterback. Quelle relance de Jean-Yann Dounezek. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Non. Il n'y avait pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'arrivée de. Derrière Morgan Matelon. Et voilà. On reste là-dessus. Hein. On en reste un peu sur notre fin sur cette première période. On va se quitter et se retrouver après la pause. Profitez bien de cette interview inédite, exclusive d'Antoine Camboré, Christian Carambeu, John, allez signer Calédo Foot et Canal Plus Calédonie. C'était une interview réalisée au centre José Arriba du FC Nantes. Voilà, par Romain Pembeni. We'll be right back.
Antoine Camboiré, Christian Carambeu, bonjour. C'est un bonjour. Grand honneur pour la FCF TV Web de venir vous rencontrer ici, pour la chaîne également Canal Plus Calédonie. Ici au centre José Arriba du FC Nantes, ce centre de la Genolière qui a aussi accueilli la sélection A de Calédonie le temps d'une semaine. L'équipe de Calédonie qui préparait les qualifications à la Coupe du Monde Qatar 2022. On vous imagine tous les deux forcément émus et très heureux de pouvoir accueillir les vôtres, vos petits frères ici dans la Maison Jaune. Ben pour nous qui sommes sortis de cette maison, forcément que c'est quelque chose qui parle. On est vachement touchés, puis surtout donc ouais, qui voit où est-ce que Christian et moi on a démarré, quoi. Et c'est vachement important, je pense. Et puis aussi donc d'avoir accès aux locaux, mais surtout de rencontrer les joueurs. Et moi je l'ai vécu aussi, parce que quand j'étais tout jeune en Nouvelle-Calédonie, je voyais les Bossis, les Amis, les José Touré à la télé, puis je me suis retrouvé ici à les rencontrer, puis après à jouer avec eux. Et c'est ce qu'ils ont un peu vécu aujourd'hui, donc c'est un beau cadeau, des beaux souvenirs aussi. Et puis après, en ce qui nous concerne, Christian et moi, c'était important donc, pour leur stage, pour leur préparation, donc, pour le Qatar, de dire qu'on est là avec eux, là, et puis qu'on les, on va les soutenir à fond quoi, dans leur trajectoire. Christian, c'est une journée empreinte d'émotion. Forcément, ça vous fait, comme le disait Antoine, revivre, un peu remémorer ses souvenirs, ses premiers pas aussi vers le monde professionnel. Oui, effectivement. Je dois signaler que oui, si j'ai su arriver ici, c'est grâce à Antoine, bien évidemment, parce qu'il était déjà là. Il a su mettre les fondations, on va dire ainsi, et de surcroît, il continue, parce qu'il est revenu aux sources, dans notre nid, parce qu'ici, c'est chez les Canaries. Et tant mieux que cette équipe de la Nouvelle-Calédonie puisse venir aussi s'imprégner des lieux, s'imprégner de l'histoire, mais en même temps des expériences communes, où véritablement il s'est lancé, mais aussi il m'a inspiré et m'a lancé ma carrière. Justement, ces souvenirs, est-ce que vous avez des souvenirs précis de ces premiers pas ici à la Genolière, avec le groupe pro, même avant cela, avec les jeunes du centre? Mais moi, la première impression, c'est le froid, quoi. Ouais. Ça marque. Ça marque. Et puis je me dis, les premières impressions, je dis, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et puis quel mois tu es arrivé? Moi, je suis arrivé janvier, un truc comme c'est ça. Pareil. Ouais, c'est pareil. Voilà. Plein hiver. Et puis par contre, j'ai le souvenir, moi, quand M. Zaeta est allé chercher, c'est M. Zaeta, il me dit, bon, Antoine, je vais chercher tes petits frères. Il y a donc Victor et Christian qui arrivent. Victor, voilà. Et tes maris, pardon. Et Rénal. Donc voilà, et je dis ok, et je les vois arriver, et j'ai dit mince, ça va être compliqué, quoi. Là. Mais c'est les premiers souvenirs que j'ai. Pas trop avec les pros, mais moi, en tout cas, le froid, les sensations, voilà ce que j'ai en souvenir, comme souvenir, quoi. Vous, Christian, c'est un peu la même chose? Ben, disons que moi, c'était beaucoup plus étayé, sachant que il était déjà dans une phase... comment dire, déjà en tant que pro, déjà affirmé. Moi, j'avais juste 17 ans. Ce qui est bien, pour parler de la sélection, c'est qu'Antoine a participé aussi à des Jeux du Pacifique. Il a revêtu le maillot des Cagous. C'est pour ça que c'est une bonne manière d'être avec ces joueurs qui représentent le pays. Antoine a représenté le pays. Et en même temps, a vécu ici aussi avec le FC Nantes. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, pourquoi je dis ça? Parce que, comme eux, quand ils sont venus assister au match de Monaco, j'étais aussi dans les Jules Verne et je les voyais jouer. Je dis, waouh, j'espère qu'un jour, je pourrai fouler cette pelouse. Parce qu'évidemment, c'est un rêve. Et finalement, oui, à force de travail, à force d'observation, des vidéos, et puis évidemment, des coachs qui m'ont entouré, encadré comme Coco Ciudo, enfin pareillement pour Antoine, mais c'est vrai que voilà, là-dessus, oui, c'est plutôt... J'espère que les matchs qu'ils ont vus les ont inspirés aussi pour se transcender et pour se surpasser. C'est ce que moi aussi, j'ai vécu en regardant Antoine jouer face à des grandes équipes, que ce soit Paris, Matra Racing à cette époque-là, Bordeaux, etc. Oui, j'étais là, spectateur, oui. Antoine, vous avez revêtu, donc, comme le disait Christian, cette tunique cagoule. Comment ça s'est passé un peu cette détection au niveau de la Calédonie qui vous a permis finalement de venir tenter l'aventure en métropole? Moi, c'est les méthodes de l'époque. Hein. C'était un peu spécial. Donc, on a fait les Jeux du Pacifique Sud à Apia. Et donc, quand nous, on joue un match de groupe contre les Wallis et Futuna,
Le sélectionneur de l'équipe, c'est M. Marcel Mao. Donc, lui est en face et puis donc il me voit jouer. Et c'est à la fin donc, de ces jeux qu'il contacte M. Guillemot à l'époque, qui était l'entraîneur, pour lui dire que voilà, nous, on a supervisé un joueur chez vous, un jeune, là, Antoine Comboiré. On aimerait donc avec le FC Nantes pouvoir l'accueillir là, pour un stage. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Puis après, tout s'accélère. Et puis après, on vient au départ pour s'amuser, pour visiter donc la métropole, venir rencontrer des grands joueurs, prendre des photos avec eux. Mais jamais on pense. Moi, j'avais 19 ans, à l'inverse de Christian. J'avais 19 ans. J'allais presque avoir 20 ans. Donc, c'était un beau voyage. J'ai dit peut-être que c'est l'unique fois que je viendrai en métropole. Et puis, voilà. Et puis, c'est parti comme ça. Et après, voilà, on a lancé l'aventure. Il y a aussi, Christian, pour vous, les anciens qui ont ouvert la voie. On pense. Jacques Zimaco, Marc Cagnan aussi pour vous, qui a eu une place très particulière dans votre départ. Oui, évidemment, c'est lui qui m'a vu, parce que Marc Cagnan avait aussi son académie au pays, enfin à Nouméa. Et moi, j'étais au lycée d'Okamo, je jouais contre son club en fait, et à l'issue de ce match-là, il voulait que j'aille dans son académie, que j'ai refusé, parce que je voulais être avec mes potes, moi. Et de cette rencontre, il a continué à croire en moi et à voir ma famille finalement pour essayer de m'emmener ici. Et je crois qu'il s'est mis en contact avec beaucoup de clubs ici et finalement à Nantes après. Je crois qu'il a... C'était plutôt Bastia au départ, non ? Au départ, c'était Bastia. Au départ, évidemment, c'est normal, c'est la filière. Il y avait déjà Antoine présent ici. Donc, oui, oui. Voilà. Donc, comme c'était fermé, enfin plutôt plein, l'académie était déjà full à Bastia, j'ai été relocalisé ici. D'accord. Et j'ai eu la chance parce que, oui, dans cette chance-là, Antoine était déjà ici. Ils m'ont contacté, voilà. Parce voilà. Ils m'ont appelé et puis c'est moi qui, après, donc, okay. ai pris l'initiative d'aller voir Robert Buzinski. Voilà, donc, et puis dire, voilà, on a deux petits Calédoniens. Et puis moi, bien sûr, je ne les connaissais pas. Hein. Mais deux superbes joueurs, des futurs grands, donc il faut les prendre parce que c'est à notre sauce. Vous n'êtes pas trompé. À notre sauce, voilà. Rarement. Mais tous les deux, d'ailleurs, étaient très bons. Victor aussi était très Victor. Bon. Victor Zeula. Malheureusement, qu'il y a eu des pépins musculaires, mais c'est vrai que... Ouais. On ne s'est pas trompé. C'était du haut niveau aussi, c'est vrai. On revient un peu justement sur la sélection A calédonienne. L'éloignement, c'est aussi forcément une problématique auquel doit faire face le football calédonien en général. Le fait que les joueurs doivent partir loin de la famille, et puis aussi... Oui, c'est la grosse difficulté qu'on rencontre, parce que sur le plan des qualités, bon, on a tout ce qu'il faut pour venir ici. Je ne dis pas réussir, mais en tout cas tenter sa chance. Mais le grand handicap, c'est l'éloignement, la famille, la température. Et puis, mais je parle de l'éloignement, je dirais même d'isolement, parce que souvent vous vous retrouvez seul. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que... Mais moi, je ne vais pas le mentir. Plus d'une fois, des fois, je me suis posé la question. Quand vous êtes blessé, il fait froid. Quand vous êtes en difficulté parce que vous ne jouez pas, j'ai eu envie, des fois, de rentrer. Quelque part, ça forge un peu le mental d'être, de passer ces étapes, ces étapes difficiles pour vous, l'éloignement, seul, affronter ces moments un peu plus durs. Évidemment, quand c'est de toute façon, on a quand même une tradition qui fait que c'est difficile de partir. On est en famille, on est tout le temps en famille. Et de vouloir partir, c'est normalement quand on part, c'est à l'armée ou à l'école ou pour faire les hautes études. Et finalement, nous, on part pour, entre guillemets, faire du football. Mais moi, quand je pars, je ne sais pas que c'est un monde professionnel, que c'est un monde où, un métier. Oui, compliqué, où il y a aussi de la compétition. Ça, je ne l'avais pas intégré dans ma conscience. Et que on s'est adapté. Et encore une fois, quand je dis que c'est grâce à Antoine, c'est qu'en même temps, il a, quand j'ai dit étayé, c'est-à-dire qu'il a passé toutes les phases de pouvoir s'adapter, d'être seul et de faire sa carrière. Nous, on est arrivé après. Ça veut dire que, de par ce modèle préétabli, ils pouvaient nous accueillir. Oui. S'il était déficient, ils ne nous auraient pas accueillis. Et ça, il faut être... Mais moi, j'ai réussi simplement à recréer la cellule familiale, quoi, qu'eux, ils avaient quitté là-bas. Quoi. Et
C'était juste le week-end. Bon, on était à la maison avec mon épouse, les enfants, et puis on mangeait les plats de chez nous, parce que ce qui est bien, c'est que... Oui, mais ils jouaient, c'est-à-dire que puis... c'était pas facile. Donc quand ils jouaient... S'adapter. Oui, c'est-à-dire qu'ils méritaient. Et nous, évidemment, on était en Décart Détroit, c'est loin de jouer en pro. Donc, waouh, s'il a pu faire ça, on peut le faire. Il faut essayer. Et servi de modèle. Servi de modèle. Mais en même temps, quand il parlait de l'éloignement, de l'adaptation, il nous parlait autrement aussi. C'est que, évidemment, on le regardait comme grand frère, mais lui, à chaque fois dans son discours, c'est de le transgresser, d'essayer de dépasser. Et ça aussi, c'était un moyen pour nous aussi de se dépasser, de s'ouvrir. Parce que, c'est, évidemment, Antoine, c'était là-haut. Moi et Victor, on venait juste d'arriver. Mais dans le monde où on est intégré, l'environnement professionnel, c'est autre chose. On peut être en compétition. Il faut garder son identité. Oui. Garder son identité de chez nous. Mais par contre, arriver ici, puis il faut marcher sur l'autre. Oui. Il faut aller, il faut combattre. Et ça, c'est difficile. C'est dur pour vous, effectivement. Voilà. On connaît la culture. Ouais, exactement. Et ça, il nous a enseigné ça. Non, j'ai les gars. Allez-y, faut y aller. Arrêtez. Et puis, l'amitié, c'est avant. Mais sur le terrain, tu arrives, fais gaffe parce que tes amis là, ils veulent piquer ta place. Pas pendant. Ils vont pas te faire de cadeaux. Donc nous, on a toujours cette tendance à l'amitié qu'on lie donc à l'extérieur, donc on le garde sur le terrain et finalement donc on se rend pas compte que la concurrence elle est là quoi. Ton meilleur ami, il peut jouer au même poste que toi et il va pas te faire de cadeaux. Voilà. Il fallait, oui, mais après, ils ont vite compris. Alors, des fois, ça n'a pas été facile parce que de temps en temps, il y avait des chocs, des clashs. Et moi, j'ai été convoqué par mon coach, la Coco Sodo, qui dit hey, toi, t'es des petits frères, là, ils deviennent un peu fous, il faut faire attention. Donc, de temps en temps, il fallait dire attention, calmez-vous un peu. Ouais. Excellent. Bien, parce qu'au début, ça a été compliqué pour gérer cette pression-là. Puis les mentalités qui changent complètement de ce que dans lesquelles nous d'où on vient. Quoi. Allez, on est de retour au stade Noumadélé. Pour l'instant, pas de vainqueur entre Tiga et Nedjehou, 0-0. Pas de but encore inscrit dans cette belle affiche. On a vu John un premier quart d'heure intense et puis après le rythme qui a baissé. Ouais, c'est clair que ces deux équipes sont venues avec des ambitions bien définies. Donc on a vu en tout cas Tiga prendre un peu le dessus sur cette équipe de Nedjehou, mais tout reste à faire pour ces deux équipes. En tout cas, le score est vierge. Et puis, on va voir à la fin de cette deuxième période qui aura le dernier mot. Et puis, un score qui nous vient du Nord. Il est important. Yann Gainsport qui s'est imposé 3-2. Ils ont renversé la vapeur, les Nordistes de Félix Tagawa. Ah, mené 1-0. On a vu le caractère que peut avoir cette équipe. Donc, c'est une équipe qui connaît bien ce championnat, qui a... Voilà, tout le monde la connaît, donc Yangen, donc il a eu les ressources pour revenir et puis gagner ce match contre Juan Nono. Doublé, qui crée la surprise. Doublé de Bertrand Caille et un but d'Antoine Ruiné. Ah voilà. Du côté d'Yangen, j'ai pas les buteurs de Juan Nono, mais en tout cas Juan Nono qui aura fait encore belle impression du côté de Yoshida Kone, mais ça n'a pas suffi. En tout cas Yangen qui enregistre une deuxième victoire importante. De quoi mettre la pression sur Tiga et Nedjehou qui ne sont pas forcément au courant de ce score pour l'instant. Ils vont se concentrer, on le voit, les joueurs de Tiga et de Nedjehou sur leur deuxième mi-temps, sur leur objectif, aller chercher pourquoi pas les 4 points. Ou essayer de ne pas perdre pour Nedjehou. C'est peut-être aussi une bonne opération pour eux de ne pas repartir avec un seul point. Donc ils vont faire l'effort de soit préserver ce score ou essayer de remporter ce match, on verra. Tout du long de cette seconde période. Allez, on espère que le rythme va revenir. On a vu un peu deux équipes dans un jeu qui s'est équilibré, dans une bataille tactique intéressante. Mais voilà, on attend que ça déclenche au niveau du score, forcément. Ouais. Ce match s'emballe. Il y en a eu de belles phases justement sur ces constructions et quelques finitions qui n'ont pas forcément fini au fond des filets, mais on a eu un poteau qui est à côté. Mais... Ouais, le poteau, il est à signaler, cette frappe surpuissante de David Ouadra sur le poteau. David Berrounet. Crochet, frappe, on verra les moments forts en fin de rencontre. Pour l'instant, en tout cas, cette seconde période est lancée. 45 minutes pour aller chercher cette place de leader à l'issue de cette troisième journée de Super League, John. Ouais, mais faut voir.
Et la touche pour Gaspard. Longue touche, on cherche Loué-Soya devant. Loué-Soya, ce bon ballon. Bien revenu. Côté Henri Koukadjo, impeccable sur son côté droit aujourd'hui. Ah, il repart pareil, hein. Comme en première mi-temps où c'est explosif au milieu. C'est dommage. C'est clair, c'est dommage que. Passer dans l'intervalle. Le ballon, oui. Attention. Le capitaine. La formation de l'IFU. On va rappeler, John, que les matchs seront rediffusés hein, sur la chaîne Pacifique Plus à 15h. Non, pardon, les matchs de 15h le mardi à 18h. Donc ce mardi à 18h, vous pourrez revoir Magenta Horizon Passo. Et le mercredi à 18h, vous pourrez revoir Tiga et Senegeu sur la chaîne Pacifique Plus. Les rediffusions donc les mardis et mercredis. Alors que Mon Wamwe reste à terre. On espère que ce n'est pas grave pour le capitaine Matanahi. Je crois que c'est un coup. Hein. Oui, enfin, j'espère pas. Et le public qui regagne les gradins après cette pause café. Avec la buvette du club en bas. Club de Magenta, je crois, aujourd'hui, qui était responsable des buvettes. Qui donc attend. Je pense qu'il y a un changement. Deuxième mi-temps qui tient en haleine tout ce beau monde. Ouais, y a du monde quand même. Il y a du monde hein, ce soir. Ça se rafraîchit un peu. Le vent, il a toujours autant d'intensité que le début de ces deux premiers matchs. Ces deux matchs. Ça souffle. On voit le soigneur avec la doudoune. Donc on a vu cette belle interview, John, des ambassadeurs hein, du football calédonien, Antoine Comboré et Christian 42. Superbe interview, première partie. Raconter un peu leur début du côté du FC Nantes, un club forcément que tu as bien connu, John, pour y être passé en pro. Ouais. Et puis ces débuts difficiles, quand on arrive de Calédonie, de si loin, s'adapter au froid, à l'isolement, comme le dit Comboré. Ouais, c'est très dur, c'est très dur. Là, on montre que ceux qui sont passés, mais il y en a beaucoup qui ont échoué là-bas, qui ont eu du mal. Et ça, il faut vraiment que les jeunes le sachent, que ce n'est pas facile. Ce n'est pas on regarde la télé puis on essaie de faire pareil. Non, c'est du travail, c'est du travail, c'est de la répétition. Le mental. Et le mental. 80%, c'est dans la tête. Ouais. Et puis, on va souhaiter forcément bonne chance à M. Antoine Comboré pour la finale de Coupe de France qui aura lieu le samedi 7 mai face à Nice. Face à Nice. Le FC Nantes qui revit ouais. Avec Antoine Comboré à sa tête. Ah, c'est bien vu ça avec. Super bien joué, David Audra sur le côté droit. Centre, allez au second poteau, ça arrive. Il faut être au deuxième ballon à la tombée, c'est bien fait avec. Il va essayer de la mettre. Jean-Pierre Bob, dévissé. L'entrée en jeu, Ludo Forest, Monedjihu. Il a pris la place de Mon Wamwe. Ouais, Mon qui doit malheureusement quitter le terrain. Par contre, qui rentre. Voilà, capitana qui a été donné à Sio, Alexandre. Et on voit. Et puis on mise bien fait. Et ce ballon maintenant dans la profondeur avec super retour de Ouadra, mais c'est pas fini avec Wachia, le petit crochet de Jordan Wachia. Heureusement qu'il était là. Heureusement. Là sur sa prise de balle au départ, celle-là. Il n'arrive pas à prendre le ballon en tout cas. Qu'est-ce qui pèse hein, Jordan Wachia, vraiment. Quel joueur. Belle couverture de Sake. On va aller jouer en appui sur
Là, Joël, il est sorti. La remise et la profondeur derrière. Le jeu à 3 parfait, John. Rien à dire. Et plein de simplicité, comme tu aimes ça. Le répéter, mais c'est vrai que c'est difficile à faire en football. Jouer simple et efficace. Et ce corner, attention avec bien joué. Ce dégagement ou le contre. Ou attention, il va très vite, Jean-Pierre Bob qui va aller fixer. Qui s'écarte. Bob, qui s'écarte. Et belle défense, chaîne. Monsieur. Ah, il faut laisser jouer. Ah non, là, il est là. Bob, il a été. On a vu un bon exemple de recul frein. Bien défendu, hein, avec son ratio. Qui est passé capitaine. Allez. Depuis la sortie de Mon. En tout cas, il a obtenu un coup franc avec. C'est David. Franc excentré, la tête. Louès encore. Ah, le flair d'un attaquant. Tout à l'heure, il a été la chercher très haute, cette balle. Quand il... Et là, maintenant, il est... Voilà. Timing. Bien placé. Placement, timing. Dire. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, il faut être sur David. Un jeu un peu haché. Il n'a pas froid, Léo Lopez. Il vient du froid. C'était l'hiver en France. Ah bah lui, c'est tout beau, c'est tout bénef ici, c'est bonus. Hein. Et bien rouné, David. C'est bien tiré ça avec ce ballon. Heureusement oh, encore. Saké qui loupe ça. Il y avait personne. Et Morgan. Sur ce ballon fuyant. Attention à ne pas lâcher le marquage. Regarde. Ils ont tous lâché. Ouais. Et ils sont tous les deux seuls. C'est clair que pour l'instant, c'est un petit avantage à Tigaspor. Ouais, ça s'est quand même bien équilibré, c'est vrai, depuis on va dire la demi-heure du jeu. Et puis là, on... bien malin, celui qui dira, prédira, qui tirera vainqueur du duel. Si, vainqueur il y a d'ailleurs. Ouais, parce que là, on est... Intervention là. Et bon retour de Matelon à son tour. Super ballon ça. Merci un tas d'eau. Chaîne. Ouais, c'est clair qu'elle faut sur chaîne. Faute à nouveau. Et beaucoup de coups de pied arrêtés. On l'a vu tout à l'heure, une belle réalisation signée sur le premier match télévisé. Martin Macam, cette reprise de volée. Corner de William Rocouad. Attention. Là, c'est le troisième coup de pied arrêté pour le quatrième. Pour Tigaspor, il y en a eu deux qui ont été dangereux, on va voir celui-là. Ça peut faire but. Et ça sera entrant, il va essayer de trouver les 6 mètres là, fort devant le gardien, souvent ça marche. Ah, ça peut être aussi sortant hein, avec Berounet. Ça sera rentrant, c'est bien tiré, la parade de Wagner des deux points, il n'a pas pris de risque. Vadra, oula, attention à ce ballon en cloche. Ballon cloche. Ah oui, Metado. Bien maîtrisé ça. Belle maîtrise technique. Oh là là, le festival de Wallepan, ce petit ballon, dommage. Ah, il a de la qualité, Shane Wallepan. Oui, il a vraiment de la qualité dans son jeu. Il
Ouais, faute discutable sur Uchiha. Nemo. Et un avertissement que... à Inter. Genou, Petro. Ah, c'est Petro. Averti. Et c'était un changement à venir côté Tiga Sport avec les consignes données par le coach. Ça, c'est Dédé, André Mala. Attention. Massoya, très bas sur le terrain, il faut la conserver. On n'a pas obtenu la touche. Donc il fait rentrer un défenseur. Uchiha, attention, il est en train de faire des différences, hein, Jordan. Et voilà, il est encore là, Jordan Uchiha. Uchiha le centre, la tête, et la parade de Dumézek, c'est pas fini. Ça se bat dans cette surface de réparation. Quelle action pour Atanaï, je le disais juste. Uchiha, il est en train de faire des différences. Attention, parce que... Erreur de... Ouais, contrôle de Petro à genou. Quelle tête. Et de Nezek. Parade de Jean-Yann. Jean-Yann qui reste concentré sur sa ligne. Attention parce que là il y a eu quand même un gros choc. C'est David. Ah c'est Morgan. Non c'est pas Morgan. C'est Saké qui reste. Ah oui, Saké. C'est lui, c'est Saké. Quelle action pour Atanaï. On va se tarer et puis après, dans la foulée, duel entre Uchiha et Forest. Ouais, non, en fait, là, il n'y a pas de faute du tout. Non, c'est super bien. Ah, c'est pour ça qu'il veut qu'il le lève aussitôt. Jordan Uchiha, il arrive pour le lever parce que l'estime, enfin, on voit sur les images, hein, il exagère sur le. Soya qui est en discussion avec son coach, voire un peu plus bas d'ailleurs dans cette seconde période, l'Ouest, peut-être qu'il lui disait de rester un peu plus haut. Attention à cette touche, en tout cas à Tanaï. Pour l'instant se montre dangereux. Voilà, oui, sur cette action. Attention à ce ballon par-dessus la défense, il n'y a plus de couverture. Oh là là. Un peu la panique là. Et on arrive à l'heure de jeu. Voilà, frappe. De Jean-Pierre. Ouais, run. Et corner sortant. C'est bon, poteau, la tête. Cafouillage dans cette surface de réparation. Oh, cette seconde période, John, je dirais que Nejiwu a pris un petit avantage. Ouais. Dans l'ensemble, on va dire. Encore bien. Ouais. On va voir après, jusqu'à. Il reste encore une demi-heure de jeu. Attention. Ballon côté droit, le centre. Ouh là là, ça chauffe. Ça se rapproche. Ah ouais, ça se rapproche. Par contre, là, il va falloir faire très attention, petit gars, parce que. Là, deuxième. Opposé. Un bon match, Saké Forest. Et le contre avec Westoya côté droit. Superbe la feinte. Ballon retrait, Olepan, ce petit ballon piqué sur Bob, il n'y a pas d'enjeu aussi. C'est. Ah, dommage. C'est. Malheureux, hein, mais bon. Ça y est, un changement. Ah, j'entends Yagi, ça c'est Berounet Jean-Jacques qui va entrer à la place de Naosé. Ah, c'est Luther. Non, c'est Luther qui sort.
Et l'entrée donc de Jean-Jacques Berouni. Voilà, Nagui. Gasport. Attention. Qui pose, attention. On perd ce balle parce qu'il y a contre-attaque. Bien joué, Saké. Avorté. Se concentrer, c'est un 3 derrière. Tiens la baratte, le joueur. Attention. On sent que chacune des deux équipes peut aller chercher cette ouverture du score. Ah, ça tient un fil, hein, des deux côtés, ça va être difficile. Oui, c'est difficile. Ah, pour l'instant, on voit plus le 0-0 que pas de match nul que qu'une des deux équipes. La touche. Pour Danaï, on cherche. Joué. On crache devant, Louis Soya. Ce bon ballon vers Ouellepan. Deux contre un, il a glissé un dernier. Il aurait pu la mettre derrière, il a voulu la mettre devant. Voilà. Il a fait un choix. Ouais. Deux contre un. Bien joué de la part de l'Ouest. Ça, il met derrière lui, il la met devant dans sa course. C'est encore Alexandre Chieux qui défend bien. Je crois qu'on va faire un nouveau remplacement. Alors. Voilà. Tête. Voilà. Attention, avertissement pour Bob. Laissez Kadjo qui reste à terre. Hendrik. Oui. Attention. C'est des actions qui peuvent des fois coûter rouge. Heureusement, il n'y a pas la VAR. Hein. En Super League. Non. Ah, s'il y avait la VAR, je crois que beaucoup de rouge. C'est le podium songeur, forcément. Donc on rappelle un peu les scores. Magenta donc qui s'est imposé de 2-0 sur cette troisième journée de Super League face à l'Horizon Passo. Cougné et Mondor sortent victorieux à Boeva face à Wetchel aussi. 2-1 et 3-1. Et puis cette belle victoire aussi de Dumbéa face à Bako. On se retrouvera pour la quatrième journée la semaine prochaine, dimanche prochain. Madélé pour la télé avec Kounietiga à 15h et Magental aussi. Encore un beau match à 17h30. Elle aussi qui va devoir aller chercher des points aussi. Après une belle entrée. Ah, bah là, si, maintenant ça devient la plus mauvaise défense. Ah non, il y a Bako. Bako d'abord. Bako 10, Lassi 9. On rappelle que les matchs sont en replay sur la FCF TV Web et la rediffusion. Les mardis et mercredis à 18h sur la chaîne Pacific Plus. Il reste une demi-heure à peu près dans cette rencontre. J'ai l'impression que s'il y a un but John, ça va s'emballer. Oui. J'attends ce but avec impatience. Jordan qui vient très bas maintenant chercher les ballons. Fait ça, Joël. On va avec un relais pris dans l'entrejeu. Attention, attention. Soya, il va très vite et heureusement, il est là. Toujours. Alexandre Sio. Alexandre Sio qui tient la baraque. Ouh là là. Ouais, la faute là. Qui rappelle à l'ordre verbal de Monsieur Lacour. Courte échelle.
Attention. Jordan. Mauvaise touche. Pour l'instant, il y aurait statu quo en tête, John, avec Magenta aussi qui revient à 10 points. Et Yangen. Yangen à 9. À 9. Donc il sera à 10. Tiga et. Tiga également Nedjiru. Nedjiru, 10 points, 10 points. Leader. On en est loin encore car. Il reste. Il reste 25. Attention. Joël, on voit que nous on est bien fait encore envers un volley pan. Wadra. Et on renverse le jeu. Transversal, ça c'est bien fait avec du 2 contre 1 sur le côté. Bon espace qui est pris par Berronnet, bien fait, le ballon retrait, le Soya. Voilà. Effectivement, on va s'en tenir. Bien joué, Miyagi, ça a rentré, fait la différence sur le côté droit, Jean-Jacques. Et le meilleur Berronnet, buteur, qui frappe. Super Ligue a encore frappé, ça fait 1-0 et on joue à la 67e minute du jeu. Quel travail! Jean-Jacques Berrouni sur le côté, cette belle combinaison avec Quadra, John. Oui, voilà, une touche simple, à part, Agui, il fixe, un petit pont, et en retrait, tout le monde a suivi Miyagi alors qu'ils étaient 4. Il y en a un qui aurait pu faire attention à l'OS, mais c'est bien joué de la part de l'OS d'avoir attendu. Et ça fait un retrait, ça fait 1-0. Atanaï mené. Pas encore coulé forcément, il reste du temps. L'entrée en jeu de Caïmo Maurice. Sortie de Claude Forest. Allez, il va falloir aller chercher maintenant cette égalisation côté Atanaï. Ben voilà, tu l'attendais. Ben là voilà. Il est là. Du score aussi en PHU de la match nul de Gaïtcha face à Yaté 2-2. Beau score, la belle performance de Mouli. 8 buts à 1 face à l'USC et la victoire 4-0 de Thio face à l'Olympique. 8 buts à 1 contre l'USC, mais l'USC, ils n'étaient pas en tête l'année dernière. Oui, qui a frappé fort. Allez, retour au match en tout cas avec. Le match est lancé pleinement au niveau du. 13ème. Scoreur en tout cas. 1-0 donc. Et cinquième but pour l'OS Roya. 5 buts en 3 matchs. Et quel travail de Jean-Jacques Berrouni. Hein, au moment où Atanaï, depuis la reprise. Ouais, là, attention. Oui, ils ne se sont pas parlé. Alexandre Rousseau qui va sauver ce ballon. Attention, c'est pas fini. Il est partout, Alexandre Rousseau. On est plus proche du chaos. Et en plus, il s'est appliqué sur sa relance. C'est malheureux qu'il est contrôlé dans l'espace où il y avait un joueur. Ballon. Attention, on est au bord. KO, je le disais. Ouais, ils sont capables d'aggraver le score. On verse le jeu. C'est en 2. Volé. Ah, il s'est régalé. Il a eu le temps de la contrôler. On le voit. Bien. À gauche, là, il y a un petit souci. Souvent en 2 contre 1, souvent 1 contre 2, pardon. Grégory qui va faire son entrée, Taramoin. Au niveau d'Atanaï. Va peut-être passer à la place de. J'ai l'impression de voir. C'est Sake qui va sortir. Certainement du poste pour poste. Il y a un enjeu signalé. Et on joue la 70e, John. 1-0. 1-0 pour Tiga.
faut aller puiser maintenant dans les ressources mentales, physiques, côté Atanaï. On fait ça. C'est bon ballon dans la foulée. Superbe intervention. Waïma. Haché. Bien fait vers Alic. Il laisse couler. Adra. Le week-end prochain, le Djihou qui recevra Bako. Amassé. Petit gaffe à sa carrière, je le disais, sur nos antennes. Bien fait ça. Maen. Double grand pont. Maen, le centre. C'était bien fait. Bien joué. Il est resté. Engagé, forcément, maintenant, il s'est joué. Ouais, il faut laisser jouer, comme tu dis. Quelle accélération de Nat Maen. Nat Maen, c'était bien vu, ce centre en retrait. On a vu, ça arrivait lancé. Hein. Sans problème, sans problème. Régalade pour lui. Il est grand de taille, hein, Jordan. Ah oui, oui. Hop là. C'est quoi ça? On va poser, ça repart. Il y a de l'espace avec Berrounet. La main, s'il n'allait pas. Ah, il va se prendre. Il va prendre un carton. Il va se prendre une pilule. Non. On va suivre ça. Alors, cette main. Cette main, ouais. Ce contrôle orienté. Ouais, il faut être, c'est vraiment grosse faute. Il aurait dû laisser jouer, puis c'est clair que mettre un carton après à David. Là, le ballon était. Il était bon ce ballon. Ah oui, il était bon ce ballon en plus. Jaune pour Berrounet en tout cas. Il partait. Lancé là et sur ce bon ballon de Ralic. Ah ouais. Bon contrôle orienté. Ça a cassé le jeu. Privilégier le jeu et puis après on revient sur la faute, je sais pas. Mais... Allez, un quart d'heure pour Atanaï pour venir dans ce match. Un quart d'heure pour Tiga pour tenir, voire aggraver le score. Un peu plus qu'un quart d'heure, et là ce franc plein axe, 50 mètres, petit ballon par-dessus la défense, ils sont pris les joueurs de Tiga, attention. Demander un corner, ouais. Miskaemo, mais c'était, si il se laisse tomber. Avec de l'expérience, ouais. Ça peut finir en peut-être. Pénalty. Ouais, ils vont chercher haut, l'équipe de l'IFU. Raison. Ils sont menés, il faut revenir. La seconde partie et revenir au score. Malic. On voit quand même un bon état d'esprit côté ouais. Tigre défensivement ils sont en place là, les efforts, en tout cas. C'est clair. Dans un... aïe là par contre grosse faute, il peut prendre un rouge, oui c'est ça,
Normal, c'est... normal, logique. C'est malheureux. Malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est un beau slalom par de Tado, mais après... Ouais. Il va s'excuser. Oui, c'est pas... Malheureusement, ah, il le fait devant... Oui, mais ce n'était pas dans l'intention d'être méchant. Ouais. Ou de... Non, c'est qu'il est ici en retard. C'est du retard de la mode adresse. On voit pourtant, il avait fait un beau slalom. Là. Ouais. Premier, deuxième, et c'était là. Il a poussé trop loin et... Ouais, il va essayer de récupérer son ballon. Il a les deux pieds décollés. Oui, il sait qu'il a... Attends. En tout cas, ça change la donne. Après, on sait pas. Il faut que les garçons soient... Ben, il reste un quart d'heure. Alors, on va voir comment réagissent nous du coaching les deux techniciens. Il a fait un bon match, Tado. Ouais, il a bien joué. Enfin, les garçons en général de Tigaspor, enfin, les deux équipes, hein, sont bien comportés sur le terrain. Il y a eu de belles phases de jeu, simplicité dans les échanges. Le ballon. Attention. Et qu'il lui parle pour lui dire. Oh là là. On a bien joué ça. Cette remise avec Jordan Lucia qui rentre peut-être dans cette surface. La frappe! C'est vrai que, ouais. Là, Jordan Dunezé qui était battu, Jean-Yann. C'est parfait ce qu'il ouais. a réalisé. Jordan Lucia rentré sur son pied droit, la frappe enchaînée. Attention qu'il va rester pour moins d'un quart d'heure de jeu. On voit donc passe devant son adversaire avec son corps. On peut plus intervenir, Louis Moya. Et la frappe qui frôle les montants. Ça s'anime, forcément, cette fin de match. Ça part. Et en contre, Béarouné. On va être Béarouné. Le cafouillage, incroyable. Ouais, c'est clair, Miyagi. Bien joué. Quoi, ils essayent pas de construire ça. Sans lobe, Miyagi. Hop, allez. Dans la surface de réparation adverse. Ouh, attention à ce ballon qui est redonné à l'OS Soya. C'est la main bas, peut-être pour le deuxième but. Jean-Pierre voilà. Et un sale temps de ça fait 2-0. C'est clair que là. C'est une grosse erreur avec ce dégagement de Jean-Yann, on disait. C'est... Quelle erreur! Le dégagement qui arrive dans la surface de réparation, il veut la mettre à son gardien. Et voilà. Le break qui est fait sur une erreur de communication entre et... défenseur et gardien Milacci qui pense que Yoran est plus près, son gardien. Et puis le dégagement après derrière dans la panique. Max. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0 à 10. Je pense que. Bon, après, hop là. La OS. Salto, Jean-Pierre Bob. Ouais, comme il a fait gymnastique avant. C'est du bien hein, pour Tiga ouais. ce but, parce qu'on le rappelle, attention. Il joue à 10 contre 11 depuis 5 minutes, à peu près. Et Atanaï qui va essayer d'aller pousser pour. Ça va être difficile pour eux. Parce que même à 10 contre 11. 2-0. Et il reste 10 minutes. 10 minutes. Il y a un changement. André Mala. Voilà, on va muscler le jeu derrière. Sûrement rentrer. Bah Morgan qui sort. Alors. Que se passe-t-il ? Ça va être certainement un jeu de contre hein, pour Tiga. Tiga.
Allez, vous voulez rechercher. Là, on les voit, hein, ils sont. On va descendre, bloc bas, à 10. Bien manœuvré. Puis là, c'est de la précipitation de l'autre côté. Ils ont envie de. Ah, le temps passe, il reste 10 minutes. C'est compliqué là, ah, de rester serein. On sait qu'on est mené de 2 buts. Et finalement, long dégagement de Jean-Yann Dounézet qui aurait été bénéfique pour le. Ouais, ça a bénéfique pour le... l'adversaire ah, qui ça. Recule, il recule. Des longs ballons en l'air. Et... C'est un corner. Qu'ils y croient. Les joueurs d'Atanaï. Il reste un peu de temps. 10 minutes, plus. Dédé Mala qui va. Dédé Mala. Voilà, il s'impose d'entrée. Ouais. À 2-0, à 10 contre 11, je pense qu'il faut privilégier l'aspect défensif. C'est pour ça qu'il va faire. Donc c'est pour ça qu'il est sur les phases comme ça, corner, on reste dans son but. On ne sait pas comment le ballon il peut repartir, on ne sait pas. Donc préserver sa défense. Bien joué la défense de Ouadra, David. Enfin bon match, hein, David, là sur son côté, Ouadra. Voilà, tranquillement. Ouais. Par un moins, ballon rendu à l'adversaire, allez. Faut essayer de. Ah, ils arrivent dans l'axe. Pas, ça, c'est... Ah, il y a le carton rouge qui se balade. On essaie de le mettre à droite, à gauche. C'est difficile en allongeant comme ça dans l'axe, trouver des solutions. Ouais, ça. Ils prennent le temps que de dégager. Ils ont deux buts de retard. Aïe, 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 aïe. Très vite, l'US Soria qui a été cherché encore sur le capitaine. Voilà, c'est des ballons rendus à l'adversaire. Trop rapidement. Bob. On n'a pas l'impression qu'ils sont 11. Dans la gestion. Jaune de Tiga. Avec l'Ouest qui est descendu d'un cran. C'était moins forte. Deux changements, double changement, voire triple, non double. Du côté de Lossi. Avec l'entrée en jeu de Zéoula, Ludwig. Ouais, les dernières cartouches. Et. Chopé. Chopé qui rentre. Et Kevin Maitian, je crois. Plus un. 5 dernières minutes dans le temps réglementaire. On va plus prendre le côté droit, je crois. Ah, on attaque direct. Pointe. Ah, de toute façon. C'est plus le temps des calculs pour Nedjeo. Ah non. Ça va être difficile pour eux. Il reste 5 minutes au compteur. Et ils ont 2 buts à rattraper. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont à 11. Et Tiga 10. Voilà. Les entrants qui ont fait des bonnes rentrées pour l'instant côté Tiga, ce bon ballon avec Bob et la faute. Une faute indiscutable avec un avertissement. À l'Ouest, voilà les ça, l'Ouest. Je crois que Niagui. Il est arrivé pleine balle, Jean-Pierre Bob. La faute indiscutable.
C'est l'ouest, okay. Voilà. Coup franc intéressant pour Tiga. Il faut frapper fort et encore du vent là. On est plus proche du 3-0 là sur ce coup franc que de la réduction du score. Raf, angle ouvert. Il a une grosse frappe. Angle ouvert là-bas. Ça pourrait être intéressant. L'ouest. Trop proche. Allez, Waya. C'est parti. Il faut frapper fort, c'est trop près pour vraiment avoir une qualité. Bien pointue sur les des ballons à cette distance. Trop près pour donner de la force, donner de la puissance. Pour l'instant, John Tiga vire seul en tête au classement avec 12 points. Bah, elle confirme en fait, il y a eu deux matchs contre Dimbéa. C'est Bako et Dimbéa, c'est ça? Les deux premiers matchs. Voilà. Donc là, ils ont confirmé que va falloir compter sur eux pour. Ouais, juste derrière le tableau. Majota serait à 10 points, Nediou à 9 avec Yengen. Donc, les gros sont là. C'est ça. Là, ça promet une belle bataille. Donc, ils ont réussi leur premier test face à une grosse écurie. Enfin, un gros tour championnat. Nediou. Il va falloir attendre Majota et Yengen. Et Taramoin. Le chrono forcément en faveur des joueurs de Tokanod. Radic. Ludovic Forest. Ludovic Forest. La montée de Dylan Sio. Ou bien fait ça. Maen. Crochet encore. Il se prend. Ah. Inverse le jeu. Et Dunizek impeccable. Allez, il va frapper au but, je pense, là. Attention, Jayan, regarde. Sortez. Ah non, ça va. Hop là. Ils s'en sortent. Ouais, ils s'en sortent bien. Type de Léo Lopez qui est en train de frapper un bon coup là dans cette troisième journée de Super League. Ouais, ça y est, on est arrivé à une minute du temps réglementaire. Ouais, ça va être compliqué. Pour Nediou. Ah, ça va être difficile. Bon, Cédric Ojem, mais bon. Je crois que les occasions les plus franches ont été pour Tiga Sport. Tant qu'il y a du temps, John, il y a de l'espoir, comme on dit, mais. Oui. On va rentrer tout doucement dans ce temps additionnel. Et puis on voit un bloc bien compact de Tiga, pratiquement une ligne de 5 maintenant. Ouais, et puis ils ont plus le temps là, c'est. Ouais, il faut envoyer peut-être dans la boîte. Envoyer, ça. Voilà qui est fait, ouais, mais Jean-Yann Dunizek va s'imposer forcément. Ouais, c'est ça. Non, c'était quand il restait un quart d'heure de jeu, il fallait poser le ballon, essayer de prendre son temps pour marquer. Mais là, on n'a plus de temps. Combien? 6 minutes d'arrêt de jeu. On n'a pas entendu de là où on était. Mais il a annoncé le temps additionnel en tout cas. Allez, pourquoi pas. Les dernières tentatives, il a relâché la frappe de Wechia. Ça frôle le montant, c'était certainement le moment pour revenir dans ce match et dans le score. Ah là là, quel dommage pour Atanaï. Avec ce ballon relâché par
Nézek sur Wechia. Malheureusement pour le buteur d'Atanaï, le cadre qui se dérobe. C'est une très bonne entrée, André Mala. Attention, attention, se retrouve tout seul. Tagui. Attention à Berrouné, la frappe. Voilà. Pas assez de puissance de cette frappe de Miyagi, enfin de Jean-Jacques Berrouné. Les minutes, les secondes qui défilent, minutes qui passent. Et Tigaspor se rapproche de plus en plus de cette première. Enfin, elle est première de ce classement après 3 journées. Voilà. C'est bon ballon. Malheureusement. Ça va être difficile. Visiblement. Les carottes, tous les légumes, tout. Tout est cuit. Mais ils n'auront pas lâché. C'est vrai que cette dernière action là de Wachia qui aurait pu maintenir l'espoir. Mais on sait jamais. Avec cette frappe, c'est incroyable. Encore une fois, ça frôle les montants, décidément, ça veut pas. Ah bah je crois qu'aujourd'hui, les garçons de Nejeu, ils vont laisser. Là, s'ils marquent, finalement, tout est relancé. Un peu... Ah, il faut attendre quand ils vont jouer à l'IFO. Parce que là. C'est un long marathon, hein, cette Super League, on le sait. Ouais, il va falloir. On a régulier, saison régulière, donc. L'important, c'est la régularité de John. C'est ça. C'est ça, être régulier dans ses résultats, dans ses performances. En tout cas, ça promet une belle bataille pour le titre cette saison, vraiment. J'espère que les mariages ne vont pas venir tâcher cette bonne dynamique. Enfin, tâcher, parce que le mariage, c'est un travail qu'il faut respecter. Après, c'est le sérieux des joueurs. C'est tout. Allez, ça repart. Axio qui a trouvé l'entrejeu. C'est bien fait, ça, avec, pourquoi pas, là, une dernière occasion de revenir à la marque et de mettre la pression sur Tigaspor. C'est un peu long, dommage. Ouais, Chan. Bien fait, ça. Avec une frappe pour le but. Incroyable. Pourquoi pas un renversement de Pourquoi situation pas. Incroyable. Il reste 2 minutes. Eh oui. On a peut-être parlé trop tôt, John. En tout cas, on a lui aussi, il soigne son... Je pense que le score, il va rester sur... compteur but. Il en a 4. Surtout, il remet les siens sur les rails et surtout... La pression est maintenant côté Tiga. Alors attention. Voilà, on va envoyer un long, long ballon devant. Et il faut que Yoran Waima, c'est ce qu'il va faire. Il allonge. Allez, allez, on revient au jeu. On revient au jeu. Retour au jeu. On revient au jeu. Avec ce contre. Louis Soya là qui gagne des précieuses secondes. Et c'est fini. Ah non, c'est, il revient à la faute. La faute, monsieur Lacour, était bien placée. Donc, c'est faute pour Tiga, visiblement. Oui. Et les précieuses secondes, elles sont là. Ah, ils tiennent leur victoire. Et elle est méritée. Ah. David. C'est pas immérité en tout cas cette réduction du score non plus sur l'ensemble plus. De la deuxième période. Effectivement, Romain. Notamment. Ce petit ballon. Superbe entrée en tout cas de Jean-Jacques Berrouné là aujourd'hui. Pas la perdre. Heureusement, c'est perdu. Et Atanaï, qui y croit. Et ils ont raison d'y croire. Ah, c'est dommage ce ballon. Mal donné, Jean-Yann qui va. Voilà. Glisser dans sa surface. Ouais, faut pas bouger. Ouais. Mais c'est bien Allez. Fait. C'est tellement important là, je pense qu'il va siffler la fin du match. Attention. Sur la cour avec Jean-Jacques Berrouné au duel. Hop, la main. C'est fini. Il y a une main. Pourquoi ?
Carton jaune. Ouais, ça y est, c'est fini. Je prends le ballon. Si, s'il ne faut pas là. Je pense que c'est fini. Ça fait 6 minutes. Ça sera la dernière, en tout cas. Allez, tous devant. Même il peut chiffler direct, il n'a pas besoin de... C'est limite, avec un carton, il peut, de toute façon, il est seul maître du temps, monsieur Lacour. Voilà, c'est lui le maître du temps. Raima qui va devoir allonger, mais on se demande si monsieur l'arbitre va siffler. Ouais, ou bah pas, non, il va attendre la dernière. Et on allonge. On va devant. Ah, ça va être compliqué là si elle sort. Allez, on va le jouer. Il va falloir viser peut-être plus vers l'axe dans cette surface de réparation. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un changement. Oula. Et c'est pas fini. C'est là qui a regardé sa montre. Il y aura peut-être une dernière. Pour Atanaï. Oh là là, je déchire l'OS. Voilà. Ouais, là, faut, je crois que c'est ça. Ça fait 7 minutes. 7 minutes 20 d'arrêt de jeu. Un ballon dans cette surface de réparation. Ils sont là, les joueurs de Tiga. Et voilà, c'est fini. Voilà. Jusqu'au bout, Atanaï. Il aura cru. Mais la victoire est bien à mettre au crédit de Tiga Sports dans une belle rencontre, John. Ah oui, une très belle rencontre entre ces deux formations qui ont montré par moments de très bonnes séquences. Et puis bah, le plus méritant a été Tiga avec ses deux buts malgré le carton rouge de Tado de Shen Willepan. En tout cas, les moments forts. On va voir. On va assez vite l'antenne. En tout cas, on a vu un match à suspense finalement qu'on ne voyait plus venir, ce suspense, et puis cette réduction du score dans les derniers instants. Ça réveille. Réveiller. Donc on voit. Ce suspense, c'est emballé cette fin de match. Ce premier but de l'OS Foya, emmené par Miyagi, Jean-Jacques Berrounet. À l'entrant, on a une touche. Ouadra. Calage. Hop, petit pan. Un retrait, ils ont tous été aspirés les défenseurs, 4. Et bien joué en tout cas. Et ça faisait 1-0. Oui, on revient sur eux de toute façon. Et puis ce long dégagement. John. Voilà, ce long dégagement, et puis un manque de communication, et puis une tête loupée, ratée. Un dégagement raté encore. Et... C'est Bob hein, qui a inscrit là, ce but. Jean-Pierre, Naosé. Et au moment ensuite où on n'y croyait plus. Il y a eu ce carton rouge et. D'ailleurs, ils étaient à 10 quand ils ont marqué ce deuxième but. Au moment où on n'y croyait plus, eh bien, Nejiu va revenir dans cette partie avec un excellent travail de Nathanael Mahen. On va le voir. On a le ballon qui va ressortir. Il va arriver à prendre sa chance avec son pied gauche. Maintenant, décalage sur la. Et... Voilà. Il prend de la vitesse et la frappe enchaînée. Ça faisait 2 buts à 1. Mais ça n'aurait pas suffi pour Atanaï. 15 secondes. On rappelle que les rencontres sont à revoir sur la chaîne Pacific Plus les mardis à 18h et mercredi à 18h. Ainsi que sur la chaîne YouTube et Facebook FCF TV. En tout cas, c'est fini. Tiga reste leader à l'issue de cette troisième journée. John a fait un beau coup dans ce derby. On voit avec son nouveau coach Léo Lopez qui fait une entame réussie dans ce championnat calédonien. On va se retrouver, John, le week-end prochain, ici même à Nouma Dele, avec deux nouvelles rencontres. Kounié vs Tiga. Et puis Magenta contre l'OSI. Pareil. En direct sur Pacific Plus et la FCF TV Web. On se souhaite un bon week-end. Merci Romain, bon week-end à toi aussi. Allez, ciao à tous. Ciao.
OPT, le monde à portée de main.